Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. C'est un rendez-vous depuis la primature avec son Excellence Paul Kabatieba, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté la télévision Burkina Info à la primature. C'est votre première grande interview télé depuis que vous avez donc été reconduit à la tête du gouvernement burkinabé. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Excellence, est-ce que vous vous attendiez à être reconduit à la tête du gouvernement burkinabé par le président Roch Kabore? En réalité, c'est une question que je ne me posais pas. Je ne me pose pas. Ce qui importe pour moi, c'est de travailler l'humeur que je peux faire pour le président, pour le gouvernement et pour mon pays. Alors, comment ça s'est déroulé? Est-ce que le président vous a appelé pour vous dire « Je vais vous reconduire à la tête du gouvernement. Vous pouvez continuer à travailler, à faire en sorte que le pays puisse sortir du sous-développement ?» Je vous ai dit que c'est une question que je ne me pose pas cette question. Moi, j'essaie tous les jours, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour le pays, pour le gouvernement. Et si le président est satisfait, c'est celui qui sait. Moi, je ne sais pas. Mais je ne me pose pas ces questions-là. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements dans ce gouvernement, mais apparemment, vous n'avez pas voulu faire véritablement un vrai toilettage dans cette équipe. Non, vous savez, quand on fait un remaniement ministériel, il faut tenir compte du contexte. Le remaniement, dans le contexte dans lequel nous trouvons actuellement, est approprié. Est approprié dans sa dimension et dans sa forme, parce que il y a des préoccupations qui sont apparues, dont on va parler certainement. Il y a également le contexte dans lequel nous sommes qui fait que le remaniement ne peut pas être différent de ce que nous avons fait. Parce que l'équipe gouvernementale qui est là travaille très bien. Également, il y a de nouveaux défis auxquels nous devons faire face. Et c'est, le gouvernement a été constitué en tenant compte donc de cela. Sinon, vous savez, les grands mouvements, les grands chamboulements, c'est sensationnel. C'est bien pour les journalistes, c'est bien pour... Mais en réalité, ce n'est pas forcément la solution appropriée au problème que nous vivons. Ce qui est important, c'est que les ajustements que nous effectuons soient appropriés par rapport au problème des Burkinabés, par rapport au problème du gouvernement, par rapport au problème de la nation. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Le 29 décembre, nous étions face au président Kabore. Il nous avait promis donc ce réaménagement gouvernemental. Cela a pris trop de temps. Qu'est-ce qui bloquait finalement dans la composition de ce gouvernement? Non. Vous savez, pour composer un gouvernement, il faut, prendre son temps pour bien préparer tous les paramètres qu'il faut prendre en considération. D'abord, il faut réfléchir sur vous savez, un gouvernement actif, c'est la base de principes. Il faut réévaluer les principes sur lesquels le gouvernement a été articulé. Ensuite, il faut regarder donc de manière attentive les préoccupations qui existent, les préoccupations de l'heure. Il faut faire en sorte que la composition du gouvernement prenne en compte toutes ces préoccupations. Il y a également d'autres considérations qui sont nécessaires, qui font qu'il ne faut pas se précipiter. C'est pourquoi nous avons pris le temps de peser tous les paramètres, de peser donc toutes les considérations qui sont nécessaires avant de prendre nos décisions. Donc, contrairement à ce que certains peuvent dire, j'entends par-ci, par-là, je ne suis pas sûr, je ne pense pas que nous avons pris du temps, nous avons été lents. Nous essayons d'être prudents. Nous essayons d'être prudents et de faire en sorte que les décisions que nous prenons soient justes et soient dans l'intérêt du peuple burkinabé. C'est ce qui est important. Cette lenteur-là n'est pas due éventuellement à des intérêts politiques? Est-ce que les politiques ne vous ont pas un peu bloqué dans la composition de ce gouvernement? Là aussi, je dirais qu'il n'y a pas de blocage. Vous savez, j'ai entendu effectivement des propos comme quoi il y a eu cela, mais il n'y a rien du tout. Nous travaillons en très bonne intelligence au niveau donc de l'exécutif, au niveau du législatif, notamment en très bonne intelligence. Il n'y a pas du tout donc de pression. En tant que chef du gouvernement, en tant que Premier ministre, je fais mon travail en toute liberté, mais naturellement, sous la conduite donc du président du FASO. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons conçu ce gouvernement. J'ai eu les mains libres pour concevoir ce gouvernement. Et naturellement, j'ai été soumis au président donc du FASO, puisque c'est lui qui est
le chef de l'État, afin qu'il me donne des conseils, qu'il fasse également de temps en temps des avis, afin que le gouvernement soit vraiment adapté aux besoins donc de Burkina. C'est ce que nous devons faire. Le ministère des Enseignements secondaires a changé donc de premier responsable. Filiga Michel Sawadogo est parti. Quelles sont les raisons de son départ de ce gouvernement? Je voudrais dire déjà que personne n'a démérité. C'est vrai qu'il y a eu donc des ajustements de ce type, mais je voudrais vous rassurer que les ministres qui sont partis du gouvernement, personne n'a démérité. Ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes pour la nation. Maintenant, il y a, dans la composition du gouvernement, comme je l'ai dit, il y a des ajustements qu'il faut faire. Il faut prendre en compte de nouvelles préoccupations, donner souvent aussi un nouvel élan. Et dans le cas du remaniement que nous venons d'effectuer, je l'ai dit, la préoccupation principale qui importait et qui m'a guidé, c'est celle du PNDS. Mon ambition, c'est le gouvernement, celle du président de Faso, c'est de booster, c'est de dynamiser la mise en œuvre donc, du plan national de développement économique et social. Donc je pense que c'est ça la préoccupation principale. Le jour de Filiga Michel Sawadogo a-t-il été emporté par l'histoire des bourses des étudiants burkinabés au Maroc? C'est ce qui se dit dans l'opinion aujourd'hui. Je ne pense pas. Vous savez, le problème de bourse, depuis que nous sommes étudiants, ce sont des problèmes récurrents. Il y a des problèmes de bourse partout où il y a des étudiants burkinabés. Il y a des problèmes de bourse un peu partout. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien entre la position du ministre Filiga et la question de la gestion des bourses des étudiants. Ce que je peux dire sur cela, c'est dire simplement que dans la composition du gouvernement, nous prenons en compte, comme je l'ai dit, les nouveaux défis. Nous prenons en compte également la nécessité de donner un nouvel élan à certains secteurs ministériels. Et vous savez que l'enseignement supérieur, c'est un secteur qui est prioritaire dans le programme donc présidentiel. Et également, c'est un programme prioritaire au niveau du plan national de développement économique et social. Donc, ce que nous essayons de faire avec l'enseignement supérieur, c'est de donner vraiment un nouvel élan aux réformes qui s'imposent au niveau donc, de ce secteur ministériel. Le ministre qui est sorti n'a pas démérité, c'est un excellent ministre qui a fait un excellent travail. Il y a simplement la nécessité de donner une nouvelle impulsion, de donner une nouvelle. Est-ce que cette nouvelle dynamique-là, c'est de faire en sorte qu'on puisse régler définitivement avec le nouveau ministre tous les problèmes que rencontrent les étudiants burkinabés aujourd'hui, au plan national comme à l'extérieur du pays? L'axe numéro 2 du plan national de développement économique et social, ça concerne le capital humain. Ma conviction et celle du président, c'est que nous ne pouvons pas bâtir une grande nation sans une grande université, sans une politique donc d'éducation adaptée. C'est une politique de formation professionnelle qui soit adaptée. C'est pourquoi mon gouvernement accorde la plus haute importance aux questions donc, de l'université, de manière générale à la question de l'éducation nationale et également à la question de la formation professionnelle. Alors, notre ambition, c'est de faire de l'université burkinabé un centre d'excellence. Il faut que notre université assure la promotion de tous, mais également permettre la sélection des meilleurs. Pour cela, il faut que l'université vraiment soit réformée de manière à ce que les retards académiques soient résorbés. Il faut que les universités soient dotées en infrastructures suffisantes pour permettre aux étudiants d'étudier dans des conditions décentes. Il faut également que les questions de connectivité en termes d'Internet permettent aux étudiants donc, de travailler dans les meilleures conditions. Il faut également, en ce qui concerne les œuvres universitaires soient à la hauteur de ce qui est digne pour nos enfants, pour qu'ils puissent étudier dans des conditions décentes. Je pense naturellement donc à la question, par exemple, des restaurants universitaires, la question également donc du logement des étudiants, et voilà, la question du transport. C'est tout un ensemble, c'est toute une ambition que nous avons. Et ça, cette ambition, elle figure donc en place vraiment cette ambition occupe une place centrale dans le programme présidentiel. Excellent. Est-ce qu'il est prévu dans votre agenda d'aller rencontrer les étudiants à l'université de Ouagadougou, discuter avec eux des problèmes réellement qu'ils rencontrent au lieu d'attendre toujours qu'on vous raconte des rapports sur votre bureau? Il
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis disposé. Je suis disposé à y aller parce que c'est important pour moi, il serait important pour moi, en tout cas, je serais intéressé d'aller discuter avec les étudiants pour écouter les préoccupations, écouter les problèmes. Ça me permettrait certainement donc, de trouver des solutions appropriées donc, à leurs préoccupations. Et vous avez raison, c'est une façon d'avoir un dialogue direct, d'écouter les préoccupations. Ça peut donc contribuer à améliorer donc les réponses que le gouvernement conçoit pour les préoccupations donc, des étudiants. Parlons toujours de la composition de votre gouvernement. On y fait encore une escale avec notamment le départ de la ministre de l'Économie numérique et des Postes. A-t-elle été, elle, emportée par les scandales liés aux tablettes Huawei qui ont créé la polémique au Burkina Faso? Je ne pense pas. Je vous ai dit que, vous savez, moi, je ne gère pas le gouvernement dans l'émotion ni dans l'événementiel. Ce qui est important pour moi, c'est la politique que nous menons. C'est que, comme je l'ai dit, les ajustements que nous faisons tiennent compte de la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique au plan national de développement économique et social. Vous savez, après la conférence de Paris, nous avons cette année l'obligation d'opérationnaliser le plan national de développement économique et social. C'est un challenge important pour nous, pour moi-même personnellement et pour l'ensemble du gouvernement. Donc, il était tout à fait normal que je propose au chef de l'État d'effectuer donc des ajustements qui s'imposent pour donner un nouvel élan, donner donc une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Alors, au niveau du ministère du développement de l'économie numérique et des postes, là aussi, les changements qui s'est opéré, il faut les lire sous le principe donc de la recherche de l'efficacité et la recherche donc de nouvel élan à la mise en œuvre donc d'une politique à laquelle je tiens beaucoup. Vous savez, la fracture numérique est la fracture numérique à laquelle nous vivons actuellement, parce que tout le monde le sait, au niveau donc du développement des technologies de l'information et de la communication, nous pouvons mieux faire. Et mon gouvernement a l'ambition de faire beaucoup mieux. Alors c'est pour ça qu'il m'a semblé important de donner une nouvelle dynamique, de donner une nouvelle impulsion, pour faire en sorte que, au niveau des technologies de l'information et de la communication, le Burkina Faso soit, en tout cas, parmi les meilleurs élèves sur le continent. Nous avons un retard important, mais nous savons que, et nous devons mettre tout en œuvre, je dis bien tout en œuvre, pour, en tout cas, être parmi les meilleurs. Nous avons des projets importants en matière donc d'économie numérique, vous devez le savoir. La fibre optique. Nous avons de grandes ambitions pour la fibre optique. Vous savez que c'est une infrastructure qui est quasiment indispensable pour avoir donc de l'Internet à haut débit et pour également permettre donc d'assurer un certain nombre de services qui tournent autour donc de l'économie numérique. Alors nous avons un grand projet au niveau de la fibre optique. Nous avons également au niveau gouvernemental de grands projets tels que ce qu'on appelle les G-Cloud. Nous avons également les résidents que nous devons moderniser. Alors il y a un ensemble de projets qui doivent permettre donc de moderniser de manière générale le fonctionnement de l'administration, mais également qui doit permettre donc d'améliorer la connectivité du pays de manière générale, de manière à faire en sorte que les services informatiques, les services qui tournent donc autour donc des technologies de l'information et de la communication, soient donc de meilleure qualité. Là, on parle beaucoup de réduction du train de vie de l'État. C'est une question qui revient de façon récurrente au sein de l'opinion. Vous avez aujourd'hui 26 ministres pleins, 2 ministres délégués, 4 secrétaires d'État. N'est-ce pas trop pour un petit pays pauvre comme le Burkina Faso, alors que vous cherchez de l'argent tous les jours pour financer le développement? La structure du gouvernement est une structure qui est un peu éclatée. Si vous remarquez, les ministères sont. La structure est un peu éclatée. Contrairement à d'autres choix qu'on aurait pu faire. On aurait pu donc regrouper des ministères, faire des grands super ministères. On aurait peut-être eu, je ne sais pas, 14-15 ministres. Hein? C'est un choix qu'on aurait pu faire. Ça coûte cher. On sait bien qu'un ministre coûte cher pour un pays comme le Burkina. Je vais y venir. On aurait pu faire ce choix-là, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pourquoi? Parce que
je recherche d'abord l'efficacité. Je suis convaincu qu'en spécialisant les ministres de cette façon, dans des secteurs bien donnés, nous avons la possibilité d'avoir une meilleure maîtrise des dossiers. Nous avons la possibilité donc d'obtenir plus d'efficacité dans l'opérationnalisation donc du plan national de développement économique et social. Et naturellement, ça demande un plus grand travail de coordination au niveau du Premier ministère et également au niveau de la présidence. Mais ça me semble important, c'est un choix que j'ai fait et je l'assume. Je considère que, en tout cas, par rapport aux critères d'efficacité, la composition actuelle du gouvernement me semble la meilleure pour permettre donc d'obtenir des résultats et des résultats rapides. Maintenant, il me semble que la taille du gouvernement est raisonnable. 32 ministres, c'est raisonnable, excellent. Elle est raisonnable, n'est pas excessive. Elle n'est pas excessive. Nous avons une structure du gouvernement qui est, si vous comparez avec la structure du gouvernement et l'effectif du gouvernement dans les pays voisins, vous verrez que nous sommes donc dans la moyenne, de manière générale. Et quand vous regardez combien coûte le ministre burkinabé, bon, c'est pas, vous savez, nous sommes dans des très bonnes moyennes. Les ministres burkinabé, le train de vie des ministres burkinabé est maîtrisé. Depuis que, en tout cas, nous sommes aux responsabilités, le président Faso a pris des mesures de manière à ce que le train de vie de l'État soit maîtrisé. Vous le savez, le nombre de véhicules est limité par ministère. Les véhicules de gros cylindrés tels que les 4x4, leur utilisation également a été limitée de manière à ce qu'on évite donc les abus, les frais de téléphone, les voyages, les missions, tout cela est suivi rigoureusement. Personnellement, je suis semaine par semaine les missions à l'extérieur donc, qu'effectuent les ministres. Vous est-il arrivé de refuser à un ministre la possibilité de voyager parce qu'il voyage beaucoup, par exemple, au cours de l'année 2016? Bon, ce que je peux vous dire simplement, c'est que en tant que chef de gouvernement, en accord avec le président du Faso, chaque fois qu'un ministre va en mission à l'extérieur, c'est que je suis convaincu qu'il va défendre l'international, que le Burkina a un intérêt particulier donc, dans cette mission. Sinon, je ne l'accorde pas. Parce que simplement, les missions doivent nous rapporter quelque chose. Et voilà, ça fait partie donc, des mesures que nous gérons quotidiennement pour réduire le train de vie de l'État et donner donc plus de cohérence à ce que nous faisons. Il y a également tout ce qui concerne la gestion donc la gestion donc, des ministères. Nous prenons des mesures pour réduire des dépenses, pour réduire donc tout ce qui est ostentatoire. Nous essayons donc de les réduire de manière à donner l'exemple. Parce que l'ambition de mon gouvernement, c'est de travailler, de donner l'exemple au Burkinabé, ce n'est pas de faire des gaspillages. Et c'est ce que nous essayons de faire au jour le jour. Il y a certainement des progrès à faire et nous continuons donc de nous améliorer donc sur ce point-là. Vous avez parlé d'évaluation des différents ministres donc de votre gouvernement. Il y a eu, avant la formation de ce deuxième gouvernement, Paul Kabatieba, des scandales liés à certains ministres, mais curieusement, ils se retrouvent toujours dans ce gouvernement. Le ministre des Infrastructures, par exemple, on a vu ce qui a été dit sur lui, le syndicat s'est plaint, beaucoup de choses ont été dites dans la presse et tout ça. Pourquoi vous les avez maintenus, également au niveau de la santé, même si le ministre de la Santé reste, même s'il change de portefeuille ministériel? Il faut accorder le bénéfice de la bonne foi à tout citoyen. Le ministre des Infrastructures a été accusé de ceci et de cela, mais il n'a jamais été condamné par la justice. On raconte des choses, mais qui peut vérifier la vérité des faits? En tout cas, personnellement, monsieur le ministre des Infrastructures est un jeune et brillant ministre qui fait un très bon travail dans son secteur. Un très bon travail. Ce qu'il fait, il le fait au péril de sa santé. Je suis témoin de ce qu'il fait tous les jours. Les infrastructures ont pris une nouvelle dimension dans notre pays depuis que le ministre Éric Bouman est en charge de ce secteur ministériel. Et il a toute ma confiance. Si j'avais un seul doute sur sa probité, sur son intégrité, et sur son engagement au service de l'État, j'en aurais tiré les conséquences. Et ce n'est pas le cas. Vous avez parlé donc du cas de notre... De notre ministre de la Santé, le dossier de la CAMEG, et puis voilà. Le ministre de la Santé, il était on nous avons effectué un ajustement dans ce secteur
faut prendre en considération effectivement certains paramètres, mais là où il a été affecté, enfin, là où il a été appelé, le nouveau portefeuille qui lui a été attribué, je pense qu'il a toutes les qualités, notamment donc l'engagement, le dynamisme pour donner une nouvelle impulsion au ministère donc de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle. Maintenant, c'est tout. Il y a pas, je ne pense pas qu'il faille chercher donc d'autres explications pour à ces mouvements. C'est toujours le souci donc de la recherche donc de l'efficacité. Comme vous le savez, le ministre, il est jeune. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, qui a beaucoup de dynamisme. Et je suis sûr qu'il donnera de très bons résultats dans ce secteur ministériel. Une fois, vous avez dit devant la presse que le ministre qui sera pris dans une histoire de corruption ou de mauvaise gouvernance, il sera sanctionné. Est-ce que cette mesure demeure? Est-ce qu'elle est d'actualité aujourd'hui? C'est un engagement moral. C'est un engagement éthique pour l'ensemble des membres du gouvernement. Le président du FASO y attache du prix. Et en tant que chef du gouvernement, j'y suis également profondément attaché. La corruption. Vous savez, l'axe numéro 1 du plan national de développement économique et social vise notamment à améliorer la gouvernance de notre pays. Et améliorer la gouvernance de notre pays, la lutte contre la corruption est centrale pour accomplir donc, avoir des résultats sur cet axe-là. Et je réitère ce que j'ai dit. Tout ministre, je dis bien tout ministre, qui sera compromis dans une affaire de corruption, naturellement, il faudra qu'on en tire les conséquences. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous devons donner, avoir un devoir, nous avons un devoir d'exemplarité vis-à-vis des Burkinabés. D'exemplarité. Les ministres doivent comprendre que leur service, c'est d'abord un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Vous savez, avoir la chance d'être au plus haut niveau de l'État, de servir son pays, de pouvoir changer la vie de ses compatriotes. Je pense que c'est un honneur, c'est une grâce, et ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est ça qui nous anime, nous tous, au niveau du gouvernement, plutôt qu'autre chose. Ce n'est pas des considérations matérielles, ce n'est pas des considérations de positionnement, c'est la satisfaction de pouvoir servir son pays, surtout de pouvoir prendre des décisions qui sont susceptibles de changer la vie des Burkinabés en matière de santé publique, en matière d'éducation nationale, d'université, d'infrastructure, etc. Nous avons l'ambition de développer notre pays. Le Burkina Faso n'est pas condamné à la pauvreté. Nous voyons par-ci par-là des exemples de pays là où, sous l'impulsion d'un leadership éclairé, les pays ont pu se développer. Notre ambition, l'ambition du président du Faso, c'est de faire en sorte que nous puissions enclencher une dynamique de croissance qui permette au Burkina Faso également de se développer, de lutter efficacement contre la pauvreté. Et tous les ministres sont animés de cette ambition. Et c'est ça qui nous anime, pas autre chose. Alors on a vu certains ministres dans les médias, quand ils parlent, ils citent plus le président du Faso que vous-même, Premier ministre. On a l'impression que certains ne répondent pas directement de vous en tant que chef de gouvernement. Je ne pense pas comme vous, parce que nous formons une équipe. Nous formons une équipe. Le président du Faso a nommé le Premier ministre. Et le Premier ministre, son rôle, c'est de faire la coordination gouvernementale. C'est également de s'assurer que les actions des ministres sont conformes à la vision du président. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question. Et tous les ministres, en tout cas, voilà. Ils vous rendent compte comme il se doit? Et c'est à vous de rendre compte au président du Faso comme il se doit. Mais ça va de soi. Ça va de soi. Sinon, je ne serai pas ici. Je peux vous assurer d'une chose. Je suis un ministre, un premier ministre entier. Un premier ministre à part entière. Je ne suis pas un demi-premier ministre. Sinon, je ne serai pas dans cette position. Je ne serai pas là aujourd'hui pour vous répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, on va parler à présent donc de ce bilan qui a été fait par plusieurs structures. On parle d'une année perdue en 2016. Alors, est-ce que cela vous a frustré d'entendre beaucoup d'observateurs dire que l'année 2016 a été une année perdue au Burkina Faso, malgré tout ce que vous avez fait en tant que Premier ministre? Bon, j'ai vu ça aussi. Moi aussi, j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi dans certains
C'est une publication, donc, mais c'est des partis d'opposition, ce sont des partis d'opposition qui ont eu ce jugement. Je pensais qu'ils sont dans leur rôle quand ils ont ce jugement. Ils sont dans leur rôle, ils sont des partis d'opposition. Ils sont dans leur rôle de dire ce qu'ils veulent. Naturellement, ils ne peuvent pas applaudir ce que le gouvernement a réalisé. Vous ne reconnaissez tout de même pas que 2016 a été une année difficile pour le Burkina Faso? Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il y a eu un an, les finances publiques du Burkina Faso étaient dans une situation désastreuse. La croissance était au plus bas. Pendant que nous avons connu un taux de croissance de notre richesse nationale mesurée par le PIB d'environ 6 à 6,50% pendant 10 ans, la croissance était retombée à 4%. Ce que les économistes appellent le taux de pression fiscale, qui mesure donc les impôts rapportés donc au produit intérieur brut, était tombé à son plus bas niveau. Hein? On était venu de 15-50% à peu près à 14,4%. C'était l'un des taux les plus bas de pression fiscale dans tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ça montre que l'État n'a pas les moyens financiers pour financer sa politique. Et comme je l'ai dit, la croissance qui était autour de 6-6,50% était retombée donc à 4%. Et alors que vous savez que le courant naturel de la population au Burkina Faso est de 3,1%. Et tous ces paramètres étaient au rouge. Si vous regardez donc au niveau donc du fonctionnement de l'administration, effectivement, la situation était difficile. Et donc, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons donné donc de l'espoir. Nous avons donné de l'espérance au peuple burkinabé à travers le plan national de développement économique et social. Le plan national de développement... C'est l'année que le PNDS a été adopté et puis finalement la conférence de Paris. Oui, parce que le plan national de développement économique et social, c'est la traduction technique de la vision du président, du programme présidentiel. Il faut un certain temps pour pouvoir donc le préparer. Nous sommes arrivés aux responsabilités, vous le savez, le gouvernement a été formé le 12 janvier. Mais il faut du temps que les équipes se mettent en place, que ce plan soit préparé. Vous savez, un plan, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Mais comme je l'ai dit, le plan a une filiation politique claire. C'est la vision du président du Faso sur le programme présidentiel. Maintenant, il faut traduire tout cela sur le plan technique. Et ça prend un certain temps pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence globale, que la vision soit préservée. Et la vision, c'est cela. J'ai vu les papiers de l'opposition. Je vous ai dit que ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, mais en même temps, ça ne me perturbe pas. Parce que je suis sûr que la politique que nous menons, c'est la seule politique qui est appropriée pour sortir du Burkina Faso de la pauvreté. Tout ce que les autres racontent, c'est des histoires. Ils vendent des chimères au peuple burkinabé. Moi, j'ai un devoir de vérité vis-à-vis des Burkinabés. Le Burkina ne peut pas se développer sans sacrifice. Vous voulez dire que l'opposition est animée par des adeptes de la critique facile finalement? Moi, je les mets au défi de s'asseoir devant moi et de me dire s'il y a une alternative à ce que nous faisons. Ils le savent très bien. Ce que nous faisons, c'est ce qui est approprié pour le peuple burkinabé dans la durée. Nous menons en œuvre une politique dans la durée qui doit briser les obstacles à la croissance du Burkina Faso, qui doit briser tous les obstacles pour la lutte contre la pauvreté. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas d'alternative à cela. Moi, je les mets au défi, donc à venir s'asseoir, quoi, on discute. S'ils ont une autre alternative par rapport à ce que nous faisons, je suis prêt à les écouter. Même un qui a parlé de provocation, de pouvoir trop part avec ce gouvernement que vous avez mis en place. Vous savez, dans notre pays, moi je voudrais demander aux hommes politiques un peu d'honnêteté, un peu quand même de décence dans les propos. S'ils n'ont rien à proposer aux Burkinabés, mais qui se taisent? Ils n'ont rien à proposer, il n'y a aucun d'eux qui a un programme cohérent, qui a une vision pour ce pays. Il n'y en a pas. S'ils en ont, je les dis, ils n'ont qu'à venir sur un débat, on s'assoit, on discute. Il n'y en a aucun d'eux, je vous dis, aucun d'eux n'a une vision comparable à celle du président de Faso. Aucun d'eux n'a un programme économique qui tienne la route. Il n'y en a pas. Ils se passent de temps à lancer des propos
incendiaires, des propos donc alarmistes, des propos négatifs, mais personne d'eux n'a une vision cohérente qui puisse régler le problème de Burkina Faso. Il n'y en a pas. C'est ça la réalité. Il n'y a que le plan national de développement économique et social qui, à partir d'un diagnostic sincère, un diagnostic et cohérent et de l'état de notre économie nationale, qui apporte les réponses appropriées aux défis du moment. Moi, je suis sincère avec les Burkinabés. Il n'y a que ça. Il n'y a que le plan national de développement économique et social. On sait bien que vous vous tenez, oui. Et quand j'entends, quand je vois, oui, il en est perdu. Mais il faut, ce n'est pas honnête. Le plan national de développement économique et social donne une nouvelle espérance au Burkina Faso. L'espérance de la lutte contre la pauvreté. L'espérance du progrès dans tous les domaines. En matière de santé publique, en matière d'éducation nationale, en matière d'université, en matière donc de règlement de déficit énergétique, en matière donc de politique d'adduction d'eau, etc. C'est ça la réponse à nos problèmes. C'est, alors, pourquoi, je ne suis pas d'accord avec le jugement qui consiste à dire que c'était une année perdue. Non. C'est l'année de la crédibilité retrouvée du Burkina Faso. Et cette crédibilité retrouvée du Burkina Faso, vous pouvez la mesurer à travers le succès de la conférence de Paris qui l'a montré. Pensez que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous les partenaires techniques et financiers et étrangers, vous pensez qu'ils accordent leur confiance, ils accordent leur financement à des gouvernements qui mettent des politiques auxquelles ils ne croient pas? Je ne pense pas. C'est des institutions sérieuses. Si nous sommes partis au FMI, et nous sommes partis donc à la conférence de Paris, que les intentions donc de financement que nous avons recueillies à la conférence de Paris sont supérieures à... Oui, un peu plus du triple de ce que nous étions allés chercher, ça montre très bien que ces partenaires techniques et financiers, aussi bien officiels que privés, ont confiance au Burkina Faso. Non, l'année 2016 n'est pas une année perdue. Peuple burkinabé, l'année 2016, c'est la crédibilité retrouvée du Burkina Faso. C'est la réconciliation des Burkinabés avec eux-mêmes, avec leur histoire. Et c'est une ambition retrouvée. L'ambition de construire un pays, une économie solide, pour rompre avec la stagnation. Monsieur le ministre, vous comptez beaucoup sur le PNDS pour sortir le Burkina Faso du sous-développement. Il y a des organisations syndicales qui ont clairement dit qu'on n'avait pas besoin d'aller à Paris pour chercher de l'argent, notamment des organisations syndicales qui appartiennent au ministère des Finances, qui ont dit que l'argent peut se trouver au Burkina Faso. Clairement, ils l'ont dit dans la presse à plusieurs reprises. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Qui a dit ça encore? Je ne sais pas. Quand j'entends des gens dire des choses... C'est irresponsable. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. De quoi parlent-ils? Il y a de l'argent ici, etc., etc. Mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Vous savez, comme je le disais, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, la croissance était au plus bas. Quand vous regardez donc le budget de l'État, nous avions donc un déficit budgétaire qui était dans les normes, puisqu'il était donc inférieur à 3%. Mais si vous regardez la structure donc, du budget, il y a quand même des anomalies qui sont inquiétantes. La première anomalie, c'est le poids des dépenses, ce qu'on appelle les dépenses courantes. Les dépenses courantes, c'est d'abord les salaires que nous payons donc pour les fonctionnaires. Nous sommes à peu près un peu moins de 160 000 fonctionnaires. Mais ces 160 000 fonctionnaires coûtent à l'État, quand vous rapportez ces salaires-là, à la richesse nationale qu'est le PIB, les salaires rapportés des fonctionnaires rapportés à la richesse nationale on ferait les 50%. Alors 50%, ça veut dire que, alors que la norme au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est que ce ratio masse salariale divisé par la richesse nationale ne doit pas excéder 35%. Nous étions presque à 50%, ce qui n'est pas un bon indicateur. Le deuxième indicateur qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle les dépenses courantes. Les dépenses courantes, ce sont les salaires à quels il faut ajouter les frais de fonctionnement de l'État. L'électricité que nous payons, le gaz, le carburant, les missions, etc. Les frais de fonctionnement de l'État de manière générale.
Quand vous prenez ces frais de fonctionnement de l'administration, plus vous ajoutez à cela les salaires, vous rapportez ça au produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses nationales, nous sommes à peu près à 90 ou 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de marge pour financer le développement, puisque les charges de fonctionnement de l'État absorbent déjà toutes nos ressources propres. C'est grave pour un pays. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui disent que nous avons les ressources en interne ici pour financer le PNDES, je sais pas de quoi ils parlent. Puisque les ressources propres de l'État, à savoir les recettes fiscales essentiellement, sont totalement absorbées par les dépenses courantes et les salaires. Donc c'est difficile. Est-ce que vous tenez ce langage de vérité face aux organisations syndicales qui régulièrement se plaignent parce que vous avez eu un dialogue social? Au lendemain de ce dialogue social, ce qui est curieux, c'est que dans tous les ministères aujourd'hui, ça bouillonne. Il y a des manifestations dans toutes les structures ministérielles. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds entre vous et puis les organisations syndicales aujourd'hui? Oui, vous savez, là aussi, au sein des organisations syndicales, ce n'est pas tous qui disent la même chose. Vous savez, notre pays, dans notre histoire, vous êtes un peu plus jeune que moi, nous avons une tradition syndicale très forte, depuis 1960, 1966, très très forte. Et cette tradition syndicale également est telle que les syndicats voilà, sont influencés par des courants idéologiques divers et variés. Vous avez dit que les syndicats sont souvent manipulés. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que j'ai eu la chance, étant très jeune, voilà, de militer moi aussi dans les organisations syndicales. Je sais un peu de quoi je parle. Alors, cette tradition syndicale est louable. C'est bien pour la démocratie, mais il ne faut pas être naïf. Il y a des traditions syndicales qui souvent voilà, sont influencés par des courants idéologiques qui traversent nos sociétés. C'est normal, c'est leur rôle. Mais il faut faire attention à ne pas, voilà, ne pas mélanger la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs avec de la lutte politique. Ceux qui veulent faire de la politique, l'arène politique est là. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a des syndicats Non, je n'ai politisés pas au dit cela. Burkina? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Ce qu'il dit simplement, c'est que la tradition syndicale est là, c'est fait partie de la société, elle est naturellement traversée aussi par des courants idéologiques qui existent dans notre société. Alors, c'est normal, mais j'ai dit simplement de veiller à ce que l'expression syndicale, qui est une expression démocratique, c'est une expression de la vitalité de notre démocratie, ne soit pas galvaudée, ne soit pas, voilà, ne soit pas utilisé à d'autres fins. Parce que nous avons besoin au Burkina Faso aujourd'hui de la paix sociale. Et c'est dans cet esprit que je suis arrivé à nouer les dialogues avec les organisations syndicales. Depuis que nous sommes arrivés donc aux responsabilités et que le président Faso m'a fait l'honneur de me nommer donc à la tête du gouvernement, je n'ai eu de cesse de répéter donc aux organisations syndicales que le gouvernement respecte les organisations syndicales et que nous avons l'ambition de travailler en partenariat avec les organisations syndicales. Et je n'ai pas changé de ligne, parce que c'est la politique du président du Faso et c'est la mienne, et c'est la politique du gouvernement. Il y a une Mais stratégie qui est là. il faut que les syndicats soient, il faut que les syndicats comprennent que pour construire le Burkina Faso, pour lutter contre la pauvreté, pour réformer l'université, pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, nous avons besoin de moyens financiers. Et ces moyens financiers, ce sont nos ressources propres. Ce sont les impôts que les Burkinabés payent qui doivent nous permettre, voilà, de financer ces investissements en priorité. Mais si ces ressources-là sont affectées uniquement à payer des salaires, à payer des perdièmes, etc., etc., mais qu'est-ce qui va rester pour financer le développement? Oh, c'est ce que je vous ai dit, on en est là. Je vous ai dit déjà que ce qu'on appelle les dépenses courantes de Est-ce que l'État. vous avez tenu ce langage de vérité face aux organisations Les syndicales? dépenses courantes de l'État absorbent déjà presque 90% des ressources propres de l'État. Il reste quoi pour financer les investissements dont nous parlons? C'est ça la question. Les syndicats sont voilà, c'est ces organisations que nous respectons, que je respecte. Donc je lance un appel vraiment pour que les syndicats observent vraiment une paix sociale. Parce que le gouvernement travaille de manière sincère, de manière désintéressée, de manière vraiment déterminée pour les Burkinabés. Tous les Burkinabés. Alors, donc,
Je pense que nous avons eu l'occasion de montrer notre bonne foi depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités. Nous avons beaucoup fait. Vous savez, tout le monde sait les avantages qui étaient accordés à certaines catégories sociales par l'ancien gouvernement, le gouvernement de la transition. Nous avons respecté toutes les revendications sociales qui se sont exprimées au cours de l'année 2016. Nous avons fait face. Nous avons fait face dans la responsabilité, dans le sens également du respect des intérêts de l'État. Et c'est ce que nous continuons de faire. Et également, nous avons été toujours cohérents avec notre logique qui est le dialogue social. Monsieur le Premier ministre, il y a un élément important. Beaucoup d'insurgés s'attendaient à ce qu'il y ait un redressement économique, qu'on puisse demander à ce qu'on rapatrie les capitaux du Burkina qui sont à l'étranger, notamment sous le régime Compaoré. À ce niveau, apparemment, votre gouvernement n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qui bloque ? Le rapatriement de fonds qui seraient à l'étranger, encore faut-il, il faut les identifier. Il faut les identifier. Hein. Deuxièmement, il faut que les procédures judiciaires aillent à leur terme, de manière à ce que les personnes qui sont censées avoir effectué donc ces évasions de fonds soient condamnées. Mais on n'est pas là. Vous savez que dans notre pays, qui est une démocratie, la justice est indépendante. Alors, moi, en tant que Premier ministre, je n'interfère pas dans les décisions de justice. La justice fait son travail. Alors, donc, je pense que nous devons faire confiance à la justice. S'il y a des condamnations qui sont prononcées et qu'il faille maintenant prendre des mesures pour rapatrier des avoirs qui ont été frauduleusement sortis donc du pays, nous le ferons. Et la question du redressement économique ? Le redressement économique du pays ? Le redressement fiscal, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises sous le régime Compaoré qui ne payaient pas les impôts et les taxes. À ce niveau, votre gouvernement aurait pu donner un signal fort à l'opinion parce que ça fait partie des arguments de l'insurrection, sans doute. La question de la fiscalité est une question importante. C'est également une question technique. L'une des priorités de mon gouvernement, c'est de mener vraiment les réformes indispensables au niveau des régies financières. Je vous ai dit tout à l'heure que les ressources propres de l'État sont, on peut les améliorer. Vous savez également qu'au niveau du plan national de développement économique et social, nous avons l'ambition de faire en sorte que au moins 64% du PNDES soit financé par des ressources propres de l'État. Alors, ces 64% de ressources propres, il faut que nous le trouvions quelque part. Alors, c'est pourquoi j'ai demandé donc au ministre en charge des Finances d'entreprendre des réformes appropriées, des réformes hardies au niveau des régies financières pour améliorer l'efficacité des régies financières. Alors, ces réformes touchent deux niveaux essentiellement. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'efficacité de l'administration fiscale. Il faut naturellement faire en sorte que notre administration fiscale soit plus efficace. Comment ? En informatisant, par exemple, l'administration fiscale. Comment ? En faisant en sorte que le recensement fiscal soit exhaustif. Tous ceux qui sont actuellement en dehors du champ de la fiscalité, et qu'on puisse les y ramener. Le secteur informel. Et voilà les personnes que vous avez évoquées. Tous ceux qui essaient de se soustraire à l'impôt, il faut les ramener donc dans l'assiette fiscale, de manière à ce que l'État puisse effectivement percevoir ce qui lui est dû. Donc je disais donc, en matière d'administration fiscale, il y a des pistes comme ça auxquelles je pense. C'est ce que je disais, l'informatisation, le recensement fiscal, c'est également donc le contrôle qu'il faut multiplier, la formation du personnel. Voilà des pistes que nous avons données donc au ministre en charge des Finances pour réformer l'administration fiscale. Il y a également la politique fiscale que nous devons réformer en essayant donc d'équilibrer les choses. Et la politique fiscale doit être réformée. C'est la base de cet ensemble de principes qui sont la recherche de l'efficacité, la recherche du rendement, mais la justice et l'équité entre les Burkinabés.
Alors, Excellence, un autre élément important aussi, la question des pots de vin au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Là aussi, ça avait défrayé la chronique au Burkina Faso. Est-ce que vous êtes au courant, vous suivez ce dossier de près? Si je ne suivais pas ce dossier, je ne serais pas dans ma position. Je suis ce dossier de très, très près. Mais je peux vous assurer d'une chose. Je dis zéro tolérance. Zéro tolérance. Pour l'instant, mais ces accusations sont en train d'être instruites par la SELC. On n'a pas encore les rapports donc la SE sur la question donc, que vous avez évoquée. Moi aussi, je l'ai vu dans les journaux. C'est une question sur laquelle j'ai essayé de m'informer. Mais attendons d'obtenir le rapport de la SELC sur ces faits présumés. Une fois que nous aurons donc le rapport de la SE, alors nous aviserons la suite à donner cela. S'il y a des sanctions administratives à prendre, elles seront naturellement prises avec la dernière rigueur. Si maintenant il y a des poursuites judiciaires qu'il faille entreprendre, les juridictions s'en chargeront. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est au niveau donc simplement d'accusation. Attendons de voir. Alors, Excellence, un autre point, un élément qu'on peut aborder, c'est la canicule bientôt au Burkina Faso. Les délestages, sans doute, seront de retour. À ce niveau, quelle thérapie votre gouvernement propose au Burkinabé pour éviter de retomber encore dans les mêmes difficultés que ce qu'on a connu en 2016? Nous avons déjà un peu de mesures. J'en parle avec le ministre en charge de l'énergie régulièrement, pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, nous avons fait le point du bon sur les mesures qui doivent être prises pour pallier à couper d'électricité. Comme vous le savez, notre pays produit environ 325 MW en électricité. Et nous avons un déficit entre l'offre et la demande qui tourne autour de 110 MW. 110 MW de déficit entre l'offre et la demande. Alors, ce déficit donc entre l'offre et la demande est comblé essentiellement par l'apport que nous recevons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous vend de l'électricité. Et c'est ça qui nous permet, juste ça qui nous permet donc de manière générale, donc de faire face donc à l'écart qu'il y a entre la production et la demande. C'est normal, en période de chaleur, nous avons une pointe au niveau de la demande. C'est traditionnellement au mois de mars et au mois d'avril. Mais toutes les dispositions ont été prises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart. Cet écart-là entre l'offre et la demande n'augmente pas au cours de cette période-là. Nous sommes naturellement en discussion avec nos frères ivoiriens. Alassane Ouattara, le président ivoirien sera au Burkina pour la clôture du FESPACO. Vous allez profiter de lui en parler éventuellement? C'est une question que d'abord au niveau des techniciens qui a été évoquée. C'est une question qui a été évoquée au niveau donc ministériel. Et c'est une question dont nous discutons au plus haut niveau de l'État. Je sais que lors de la conférence qui s'est tenue à Yamoussoukro dans le cadre du traité d'amitié bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est une question que nous avons discutée avec à l'époque le Premier ministre Duncan. Et c'est une question que je suis donc attentivement. Là, il n'y a pas que l'électricité, il y a également la question donc de l'eau potable. Comme vous le savez, nous avons un déficit d'eau potable qui tourne autour de 48 000 m3 par jour et en faisant donc de chaleur. Ce déficit peut monter des fois à 70 000 m3. Et là aussi, nous sommes en train de prendre des mesures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau potable donc, dans la capitale. Voilà. Donc, nous anticipons sur l'énergie, sur l'eau, de manière à ce que pendant cette période de chaleur qui s'annonce, donc, au mois de mars, au mois d'avril, les Burkinabés ne souffrent pas d'un déficit donc, d'énergie ni d'eau potable. Il ne reste plus beaucoup de temps, Monsieur le Premier ministre. Parlons à présent de la restauration de l'autorité de l'État. À ce niveau, est-ce que vous avez donné des instructions claires et fermes au ministre de la Sécurité intérieure parce que l'incivisme a pris de l'ampleur au Burkina Faso? La question de l'incivisme était un problème sérieux. Lorsque j'étais plus jeune, on ne connaissait pas ce problème-là. Ce problème de jeunes qui, malheureusement, se rebellent et qui s'en prennent à leurs instituteurs, à leurs professeurs, ou bien des personnes qui saccagent des biens publics, qui s'attaquent aux symboles de l'État, ça n'existait pas. C'est un phénomène nouveau. Alors, pour y faire face, la politique de mon gouvernement repose sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est d'abord au niveau des familles. Il faut que les parents d'élèves assument les responsabilités dans l'éducation de nos enfants. C'est un.
Deuxièmement, au niveau de l'école, à partir de l'école primaire jusqu'au niveau du secondaire, il me semble que l'instruction civique, l'enseignement donc du vivre ensemble, l'enseignement donc des valeurs de l'État, des institutions publiques, il me semble que ce sont des valeurs qui doivent être enseignées à nos enfants pour que leur faire comprendre que ce que c'est qu'un État, ce que c'est que les institutions de l'État, et ce que c'est que également le vivre ensemble, et c'est la tolérance, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'État. Et c'est également ce qu'on appelle le patriotisme fiscal, etc. Donc, il me semble que ça, c'est un deuxième niveau sur lequel mon gouvernement mettra l'accent. Le troisième niveau, naturellement, c'est au niveau donc administratif et judiciaire. Tous ceux qui seront coupables de faits qui se rapportent vraiment à des dégradations de biens publics, à des atteintes à l'intégrité physique psychologique donc de leur prochain, et pas des actes de vandalisme, bien naturellement, l'État sera là pour défendre donc la République et pour défendre la liberté, pour défendre donc le droit aux uns aux autres de vivre ensemble. Monsieur le Premier ministre, l'influence des réseaux sociaux sur la gouvernance au Burkina Faso, moindre chose, c'est sur les réseaux sociaux. À votre niveau, est-ce que votre gouvernement y pense? Est-ce que vous pensez à une alternative éventuellement? Parce qu'apparemment, ça se gère sous l'émotion. Personnellement, j'avoue que, ayant vécu longtemps à l'extérieur, lorsque je suis rentré au Burkina Faso, l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est le développement donc des réseaux sociaux. C'est le développement de la société civile. C'est le développement également du mouvement syndical. C'est le développement de la presse privée. C'est une de mes plus grandes satisfactions. Parce que ça montre quoi? C'est la vitalité de notre démocratie. C'est la vitalité de notre jeunesse. Sans les syndicats, sans les organisations de la société civile, sans ces réseaux sociaux, nous ne serons pas arrivés à bout du régime que vous connaissez. Nous ne serons pas arrivés à bout de la tentative de coup d'État. Notre jeunesse est formidable. Notre jeunesse est courageuse. Et elle fait preuve également de vitalité. Les réseaux sociaux sont une expression de cette vitalité et cette aspiration au progrès, cette aspiration à la démocratie et à la liberté de notre peuple. Et c'est quelque chose qui me satisfait énormément et que j'encouragerais en tant que chef de gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un banquier. Le débat sur le franc CFA, faut-il oui ou non quitter le franc CFA aujourd'hui? J'entends, depuis un certain temps, j'entends par-ci par-là des propos sur le franc CFA. Et ces propos émanent d'hommes politiques, de responsables de la société civile, d'universitaires, et c'est devenu quasiment un sujet public aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais indiquer sur cette question, c'est que, d'abord, c'est une question qui est très délicate. Il faut éviter donc de la manipuler de manière avec légèreté. Pourquoi? Parce que c'est la confiance. La monnaie, c'est d'abord la confiance. Il faut faire en sorte que les populations gardent confiance dans leur propre monnaie. Si on crée la panique, si on crée la peur au milieu des Burkinabés, en les faisant croire que leur monnaie va changer, ou qu'il y a des risques de changement de monnaie, vous imaginez un peu les conséquences que ça peut avoir sur le plan monétaire, sur le plan financier et sur le plan économique pour le pays. Cela dit, je voudrais rassurer mes compatriotes. Je voudrais rassurer les Burkinabés sur la question du franc CFA. Je suis tout à fait serein sur cette question parce que c'est une question sur laquelle j'ai énormément réfléchi. Et le président du Faso également a énormément réfléchi sur cette question. Nous sommes tout à fait sereins sur cette question. Et les manipulations des régimes d'échange, les manipulations de les moyens ne peuvent pas développer un pays. Alors, ceux qui pensent que c'est la monnaie qui est la panacée, qui va changer l'économie du pays, qui va développer le Burkina Faso, se trompe. La priorité pour le Burkina Faso aujourd'hui, c'est de réaliser ce qu'on appelle les réformes structurelles, l'ajustement réel de notre économie, les réformes au niveau pour libérer donc nos capacités productives, au niveau donc de l'agriculture pour augmenter la productivité, au niveau de l'élevage pour augmenter la productivité, au niveau de l'enseignement, pour augmenter donc la masse critique de nos jeunes en ouvriers spécialisés, en ingénieurs, en techniciens.
Les réformes au niveau du secteur de l'énergie pour mettre fin au déficit entre l'offre et la demande et pour faire en sorte également que le secteur de l'énergie soit compétitif en termes de prix. Les réformes au niveau du secteur de l'eau et la justice, c'est ça et l'environnement des affaires, c'est ça qui est important. Ce sont les réformes au niveau du secteur réel qui sont importantes. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Une fois que ces réformes au niveau du secteur réel auront été réalisées, maintenant, on peut se poser la question sur les régimes de change et sur la monnaie. La monnaie peut donner un avantage compétitif, mais ça ne peut pas remplacer les réformes réelles. C'est impossible. La monnaie peut vous donner un avantage compétitif limité dans le temps, mais ça ne peut pas développer un pays. Ça ne peut pas vous donner un avantage compétitif structurel. Ce n'est pas possible. L'avantage compétitif structurel, c'est au niveau du secteur réel qu'on l'a créé, à travers la qualité de la main-d'œuvre, à travers la qualité des produits, à travers également la compétitivité des produits. C'est ça l'avantage compétitif. La compétitivité est d'abord un phénomène réel. La monnaie vient ajouter quelque chose. Mais on ne peut pas créer un avantage compétitif fictif à travers la monnaie et ne pas faire des réformes au niveau du secteur réel. C'est ce que je voudrais dire au Burkinabé. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est la monnaie qui est l'obstacle principal à la croissance et au développement des pays africains se trompent. Et ils trompent également donc les Burkinabés. Ce qu'il faut faire, si c'était aussi facile que ça, pourquoi les pays qui ont leur propre monnaie ne sont pas développés? Regardez autour de nous. Le Nigeria, pourquoi le Nigeria n'est pas développé? Pourquoi le Ghana n'est pas un pays développé? Pourquoi la Guinée qui a sa propre monnaie n'est pas un pays développé? Pourquoi la Gambie qui a sa propre monnaie n'est pas un pays développé? Non, c'est un faux débat. La responsabilité, ma responsabilité, c'est de mettre en œuvre les réformes courageuses pour augmenter la productivité de notre économie, pour augmenter la compétitivité de notre économie, au niveau du secteur réel, dans le cadre de la stabilité monétaire et financière. Après cela, nous verrons. La question de la monnaie peut créer un avantage compétitif, mais ça ne remplace jamais, jamais, les réformes courageuses que nous devons faire, nous, du secteur réel. Ceux qui pensent cela trompent le peuple. Ils pensent qu'on peut prendre un raccourci pour aller vers le développement. Ils pensent que les sacrifices que nous devons consentir pour réformer notre économie, notre société, pour aller vers la croissance, pour aller vers le progrès, ils pensent qu'on peut s'en passer et prendre le raccourci par changer la monnaie. C'est une fausse idée. Je n'y crois pas du tout. Il y a une question qui vous fâche particulièrement, l'histoire des 25 millions à Taïwan. Où vous en êtes avec ce dossier? Finalement, vous avez les traces de ces millions perdus? Ça, elle ne me fâche pas. Elle ne me fâche pas. Ce que je peux dire, ce sera, c'est que simplement, il faut que les procédures soient respectées. Les procédures doivent être respectées. Alors, laissons les procédures suivre leur cours. Ce qui m'a un peu gêné à un moment donné, c'est que j'ai eu l'impression qu'une certaine presse cherchait le sensationnel, l'événement, le sensationnel. Disait, ah, c'est le premier ministre qui peut-être lui-même est coupable du vol, a fait ceci, a fait cela. Alors c'est ça que je n'admets pas. Vous savez, pour vendre des journaux, pour vendre des papiers, il faut pas. Mais pour un pays pour 25 millions, ça fait beaucoup d'argent tout de même. Attention. Il faut situer les responsabilités. Est-ce que c'est le Premier ministre qui est responsable? Moi, dans mon équipe, j'ai peut-être, quand je me déplace, j'ai des gens, chacun a son travail à faire. Mais s'il y a des défaillances dans l'équipe, on peut dire oui, c'est responsable du Premier ministre, mais directement, est-ce que c'est ma responsabilité? Si vous êtes avec moi, nous voyageons. Vous êtes moi, on va en mission ensemble. Alors, le Trésor public vous confie de l'argent. Pour assurer les factures, pour payer les factures donc afférentes à la mission du Premier ministre. Si vous perdez l'argent en question, est-ce que c'est la faute du Premier ministre? C'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des Burkinabés qui nous suivent actuellement? Alors, avant de terminer cette émission, je voudrais profiter pour adresser mes vives félicitations à toutes les femmes du Burkina Faso, à l'occasion donc de la fête de la femme qui est prévue pour le 8 mars prochain. Je les adresse mes félicitations les plus
les plus sincères. Et je les demande également de continuer à travailler là où elles sont, dans les ménages, dans les postes de travail, pour un Burkina meilleur. La femme joue un rôle extrêmement important dans notre société et elle sera encore amenée à jouer un rôle plus accru dans le plan national de développement économique et social, qui accorde une place importante à la femme. Parce que nous sommes convaincus, parce que je suis convaincu que c'est à travers la politique d'autonomisation des femmes, à travers la politique d'employabilité des femmes, à travers la politique donc voilà de la politique de développement et de responsabilisation des femmes, que nous arriverons à construire un Burkina Faso meilleur. Les femmes apportent une contribution au développement du Faso qui est inestimable. Mais je suis convaincu que cette contribution peut être encore décuplée à travers donc la mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir accepté de recevoir l'équipe de Burkina Info. En tout cas, c'est un plaisir. Et revenez sur notre plateau quand vous voulez, comme vous voulez. On vous donne la possibilité encore de venir vous défendre auprès de Burkinabé. Je saisis votre invitation au mot et si vous m'invitez, je reviendrai volontiers. D'accord. Aux téléspectateurs de Burkina Info, nous vous disons infini merci. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez tiré quelque chose d'intéressant de cet entretien avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. C'est ensemble que nous allons construire ce Burkina Faso que nous aimons tous. À très vite sur nos antennes. Merci.